Je t'engage. Tu crois que parce qu'on s'est séparé deux jours, j'ai oublié ce que tu es. Ngacho, ma mémoire n'est pas en congé. Souviens-toi le jour où toi et moi nous sommes sortis. Tu as mangé le comptable le jour là jusqu'à j'ai eu peur. Mais attends, c'est parce que j'avais faim que j'ai mangé comme ça. C'est pas parce que le comptable c'est mon plat préféré. C'est que tu avais une famine chronique le jour là, Ngacho. Si tu avais mangé ça. J'ai dit à Blakoya, tout ça là même c'est pourquoi. Donc, tu dis toute cette mascarade là, c'est pourquoi? C'est parce que tu veux qu'on récupère les 40 millions, n'est-ce pas? Tu veux que je continue la bourse avec toi? Attends, Sorel est en train de m'appeler. Attends, je vais. Ne te couche pas, ne te couche pas. C'est vrai que tu m'appelles depuis là, je ne prends pas. Je ne veux pas qu'un intrus vienne nous embêter. Ne prends pas. Attends un peu, depuis quand Sorel t'appelle? C'est ta soeur, non? Demande-lui. Là, regarde, tout ça me semble trop bizarre, trop étrange, franchement. Je suis pas habituée à tant de tendresse venant de toi. Vraiment, quand je te regarde, c'est bizarre. J'ai demandé. La tendresse te dérange. Oui, mais pas venant de toi. Toi et moi, nous savons que c'est le clash. Tu m'habitues au clash. Anaël, oh! Anaël! Anaël, c'est grave, maman. C'est grave. Je dis, c'est quoi de crier mon nom dans tout le quartier comme ça? Black Oya va se faire envoûter par la soi-disant mère de son enfant. Ouais, ça c'est quoi ça? Comment on arrive encore là-bas, on les rate? Moi, je me suis dépassée. Je dis, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comme j'appelle ta soeur depuis qu'elle ne découche pas, je ne sais pas ce qu'elle lui a fait. Vraiment, c'est comme si elle m'accusait de quoi que ce soit. Appelle-la un peu, voir. Oui, allô, Anaël. Hey, je dis, tu as mis ton téléphone où depuis on appelle, tu ne couches pas. Ok. Toi, tu es où? Ah, je suis en train de rentrer à la maison, non? Ok, passe-moi Black, s'il te plaît. Non, je ne suis pas avec lui. Lui, il est allé chez lui parce qu'il doit parler avec la mère de son enfant. Tu connais le chez lui? Allô, Miss. C'est qui, c'est Sorel? Oui, c'est Sorel, tu es où? Je suis en train de rentrer chez moi, il y a un souci. Non, non, n'arrive pas à la maison, n'arrive pas à la maison. Reste là-bas, tu as le bar qui est en route de chez toi, là. Reste là-bas, tu nous attends, c'est urgent. Ok, je t'attends. D'accord, merci. Allons-y. Ouais, mon client, c'est... Pardon, maman, tu vas t'avancer, tu me tiens informée, ok. Pardon, c'est urgent, il faut que je m'en vais recevoir le client, c'est pas... Non, je passe. D'accord, oui, maman, pardon. Ok. Allô? Ouais, je t'attends depuis... Oh, toi... C'est encore quoi? Il y a encore quel problème comme ça, là? Ha. Mon chocolat noir. Perrine, tu es là depuis un moment. Tu ne déranges pas pour moi, c'est l'amour qui me dérange en fait. J'avais trop envie de te voir. Il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Ok, je n'ai pas de problème à ce qu'on parle. Mais avant tout, ouvre la porte. Non. C'est quoi? Tu as peur de moi? Ouvre la porte, moi.
C'est quoi? En fait, je ne voulais pas parler. Je ne veux pas ça, Perrine. Hein? Arrête de faire comme si tu es un enfant, tu ne comprends pas quoi. Tu veux faire quoi? Je vais faire quoi? Tais-toi et occupe-toi de moi, dis-donc. Tu veux dire que je ne comprends pas? Perrine. Quoi? Dieu va mener à Médo. S'il te plaît, laisse les dieux où ils sont là-bas et occupe-toi de moi. Perrine, Perrine. 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 Sorel, c'est pas ici. Gacho, l'heure est grave. C'est quoi? La soie des te met l'enfant de Blakula. Veux le charmer. Ok. Comment tu sais ça? J'étais moi assise avec un ami. J'écoute une fille au téléphone. Elle parle de 40 millions. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de 40 millions, ça me... J'écoute 40 millions. Puis elle continue en disant... Oui, je lui ai donné le remède là, non. Je lui ai donné le remède. Elle est partie. Elle a dit à son gars qu'elle était enceinte de lui. Et l'idiot l'a cru. Quand j'ai compris les deux mots là, je ne peux pas rester tranquille. Excuse-moi, mais jusque-là, je ne comprends pas. Tu fais comment pour connaître tout ça? Je ne comprends pas ce que tu dis. Vraiment, je ne comprends pas. Tu ne fais pas le rapport, Gacho. La mère de l'enfant de Black avait le charmé. Elle n'est même pas enceinte de lui. Attends, quand il dit que le mot d'enquête a été activé. Enfin, écoute ça. Attends, je comprends même pas bien. Et comme je te disais tantôt à l'heure, bientôt on aura nos 40 millions. Et attends un peu. Elle parle de... Oui, j'ai une copine déjà qui va me faciliter la tâche. Elle avait menti à son gars qu'elle était enceinte. Ça peut être vrai. C'est vrai. Mais attends. Si c'est ça, c'est que c'est grave parce que, en fait, Black Oye est comme ça parti pour la retrouver ensemble chez lui. Attends, Soraya, attends, je l'appelle. Nacho, tu fais quoi la colle dans le sac? Ma, c'était pour sécher mes habits. Attends d'abord. Attends. Décroche. Ouais, Sorel, il ne décroche pas. Essaye encore, pardon, essaye. Ouais, Sorel, il ne décroche pas, on va faire comment? Tu ne connais pas le chez-lui. Je ne connais pas le chez-lui, je ne connais pas où il vit. Indira peut nous aider. Je vais l'appeler. Allô? Oui, allô. Toi, tu es où? Je suis dans mes marches. Pourquoi? Il y a un problème. Dis-moi, est-ce que tu peux m'aider à trouver où ton frère vit, s'il te plaît? C'est urgent. Je dois savoir où il vit. Pardon, ma. Hé, ma mise, je vais commencer par où? C'est trop long et c'est compliqué. Ma chérie, s'il te plaît, tu sais quoi? Il faut que tu m'indiques, c'est urgent. Dis-moi. Bon, dis-moi, tu es où? Je suis à l'entrée de chez moi, là. Ah, ok, je suis pas loin de là. J'arrive, viens vers toi. Ok, d'accord, je t'attends. Alors, fais vite, ma chérie, pardon. Elle arrive. C'est bon. Et ah bon. C'est qui? C'est moi, Indira. Ah, ok. Indira, qu'est-ce que tu as? Blanc! Où est Blanc, Oya?
Mon bébé est où? Blanco, il est où? Tu as laissé un bébé ici qu'il faut allaiter. Blanco, il est où? Blanco, il est où? Là? Hé! Ne traverse pas. Ne traverse pas. Il y a quoi? Traverse pas ici. Il y a quoi ici? C'est quoi? C'est quoi? Mais attends, bébé, mais qu'est-ce que tu fais en Bermuda? Bébé, on devrait te faire un dessin. Blanco, pardon, ne me dis pas que tu as couché avec elle. Je devais prendre une autorisation sur toi. J'aime pas la mère de mon enfant. J'aime pas le droit de fortifier mon enfant. Ou bien, tu veux que mon enfant sorte du ventre étant faible. C'est la jalousie qui te dérange. Toi, la soi-disante collaboratrice, limite-toi au projet qui vous unit ensemble. Ça. Mais le reste, ma chérie, c'est pour moi, c'est mon homme et c'est moi qui l'aime. J'ai demandé à maman. Donc maintenant qu'on s'est séparés, là, tu l'as déjà charmé, ma. Elle est folle. Elle est folle. Attends, tu m'as bien regardé. Attends, Blakouya. Tu vas bien regarder, moi et charme un homme. Hein? J'ai tout ce qu'il faut, là où il faut. Tu m'as même bien. Oh! Mon appart, Patrick! Si tu t'approches, je dis que si tu t'approches, je casse son cou. Zora va chercher au couteau. La corde, Zora. C'est que je vais me suicider. Bouge pas. Aide-moi, Blanco. Laisse tranquille. Attache-le. Blanco, aide-moi. Il dit là, ma petite soeur, même père. Donc tu t'as vu. Il dit là, tu es un criminel. Il dit là. Descends, laisse tranquille. Il dit, ne fais pas de mal. Descends, laisse tranquille. Je m'assois, ne fais pas de mal. Il va te jumeler maintenant là. Chic. Donne-moi l'autre corde et attache la perdrix ici là. Allez! On s'en fout! Fais-moi ça vite! Fais-moi ça! Il dit, laisse-le cache, né! On n'a pas la poitrine! Il dit, le sang ne passe plus! Le sang ne passe plus! Il dit, la... Ah, il dit, la criminelle! Calme-toi! Vous voulez me tuer? Vous voulez me tuer pourquoi? L'amour de ma vie. Mon papillon miraculous. Mon papillon miraculous. Mon lapin aquatique. Allez, moi, tu voulais me montrer que tu es folle, non? Non. Et t'es prévenu, non? Tu es revenu, non? Plus folle que moi. Hein? N'est-ce pas? Elle veut te montrer, amour. Tu es plus folle que non, moi. Non, elle n'est pas plus folle que toi. Mais c'est normal. Maman, ça me fait mal. Fais-moi ça, nous allons nager pour traverser les rives. Ne te dérange pas. Chic. Fais ça et tu restes tranquille. Où le couteau là? Tu t'es tombé, je ne t'ai pas. Gâte-toi un bout de vie là. Gâte-toi un bout de vie là. C'est la porte. Donne la tête de l'autre côté. Tourne-toi. Aïe. Reste tranquille, ça va. Oh. Mon lapin aquatique, tiens bon. T'es en bout de plaque, tout de suite. Tiens bon, elle m'a pas envoûté. Fais-moi ta bouche à ma maf. Ça va mieux. Elle ne m'a pas envoûté. Elle ne m'a pas envoûté. Je l'aime, c'est l'amour. L'amour, on s'aime. Tu sais ça même, non? Je ne connais pas. Tu l'as désavoué, tu ne désavoues pas. Je vais le désavouer alors. Vas-y, fais vite, on va te rembourser les envoûter. Alors... Comme la nette ici, moi je dors. Moi je dors. Hé, hey, Blancoya, tu fais quoi ici? C'est une piscine, non? Je viens nager. N'est-ce pas que tu m'as vu en maillot de bain? Non, en fait, si je dis ça, c'est parce que tu sais, c'est un hôtel. Non, je suis aveugle, je ne lis pas. Hôtel Repos Roi. Comme tu me prends pour un Tinder, donc tu estimes que je ne mérite pas dormir ici. Ma chérie, je dors où tous les rois dorment. Le confort et le bien-être. Hôtel Repos Roi. Hôtel Repos Roi, c'est surtout l'hébergement, le bar-restaurant, le service traiteur, la salle de fête et la décoration événementielle. Hôtel Repos Roi, c'est l'endroit idéal pour le repos des rois. Reposant, sécurisé avec un groupe électrogène prêt à pallier aux problèmes électriques. Contact et réservation 694 88 56 85 223 47 01 81. Hôtel Repos Roi, la meilleure façon de se sentir chez soi.
alias Black Oya le Métis, humoriste de vieux du cadavre, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah!